Bonjour à tous et toutes, petite vidéo très rapide pour vous annoncer que les webinaires live vont revenir sur YouTube. En effet, j'ai voulu faire des webinaires live avec une entreprise européenne qui m'avait promis monts et merveilles pour mes webinaires et ils m'ont complètement planté, je crois qu'on peut le dire. J'ai payé 4000 euros, un peu plus de 4000 euros pour avoir un logiciel de webinaire, une bande passante, etc. J'avais bien précisé qu'il risquait y avoir du monde, que je voulais au moins diffuser en HD. On m'avait dit oui, pas de problème, tout va bien, monsieur. Aucun souci, j'ai mis 2 mois pour maîtriser leur logiciel. J'ai fait les 2 premiers webinaires, ça s'est bien passé. Le troisième, on a commencé à me dire, ouh là, il y a beaucoup de monde sur vos webinaires. Bah, je vous ai prévenu. Et le quatrième jour, on m'a dit, bah d'accord, mais pas plus de 50 personnes maximum. Alors que j'ai prévenu qu'on pouvait avoir des pointes à 100 ou 150, de 100 à 150 personnes qui pouvaient assister à ce webinaire. Ils devaient m'encoder les webinaires, ça n'a pas été le cas. Donc là, j'ai fait 20 webinaires. Au mois d'avril, j'en ai que 2 encodés, donc que vous pouvez revoir sur le site en ligne. Les 18 autres, ils sont dans la nature. Je suis extrêmement en colère. J'ai donc fait cet article-là. C'est pour prévenir la communauté sur YouTube que bah, il faut vous abonner à la chaîne YouTube hein, si vous passez sur YouTube. Et qu'à partir donc du 2 mai, mardi 2 mai, parce que le 1er mai, la bourse de Paris et de Francfort est fermée, donc je ne vais pas trader. À partir du 2 mai, vous avez les webinaires en direct à partir de 19h. Ça va durer une demi-heure, peut-être un peu plus si je suis bavard et que le sujet me plaît un peu plus. Ce sera sur YouTube, donc en live. Vous recevrez une notification, hein, je crois, si vous êtes abonné. À la chaîne. Donc, petit rendez-vous comme ça, une demi-heure à 19h. Ils seront en replay sur le site à partir de 20h30. Merci YouTube qui encode lui à la perfection. Donc, voilà, vous pouvez retrouver sur l'article pourquoi je voulais pas faire les vidéos sur YouTube au départ, notamment pour des raisons de pillage de contenu systématique. Mais voilà, on en est là. On en est là. J'ai perdu 1 mois, j'ai fait 20 webinaires. J'en ai que 2, donc les webinaires qui ont été diffusés au mois d'avril, bah, je vais le refaire en mai parce qu'il va bien falloir qu'ils existent et qu'ils soient encodés. Donc je m'excuse pour les gens qui ont, les rares personnes qui ont pu y assister. En tout cas, ce sera la même chose. Hein. Bon, comme c'est du live, je dirais peut-être des choses en plus ou en moins. Mais voilà, pendant le mois de mai, pour vous, ça va être un petit peu plus embêtant, puis on va continuer sur ce rythme-là. Et si je maîtrise bien le logiciel de streaming et que tout fonctionne bien, et ben on ira un peu plus loin avec peut-être une petite émission quotidienne. On verra ça. En tout cas, la semaine prochaine, le 2 mai, les lives commencent sur les webinaires. Vous avez la liste sur le site. Voilà, merci de liker cette vidéo parce que c'est aussi une vidéo pour mettre un peu la pression sur cette grande société européenne qui m'a planté et qui ne veut pas rembourser mes plus de 4000 euros. Donc, avec un petit article sans les citer, une petite vidéo YouTube sans les citer et avec votre soutien, donc likez cette vidéo. Ils vont voir que ça peut faire peut-être des dégâts s'ils ne me remboursent pas parce qu'après, je peux faire le même article en précisant qui ils sont, avec la même vidéo sur YouTube en précisant qui ils sont, et puis en y allant un petit peu sur les réseaux sociaux, si j'ai plus de 71 000 personnes qui me suivent à l'heure actuelle, ça peut leur faire un petit peu mal en termes de publicité, de communication, je pense. Voilà, les choses sont dites. Vous avez en fait 15 jours, hein, le temps de me contacter très rapidement. Hein. Vous me contactez la semaine prochaine et je veux avoir l'argent sur mon compte de société rapidement aussi. Et tout ira bien, on oubliera cette affaire, et sinon je vais vous pourrir la vie sur YouTube, sur les réseaux sociaux, sur mon blog, sur mes 10 autres sites, et croyez-moi, vous allez avoir du mal à trouver des clients après. Ceci n'est pas une menace, c'est juste un bras de fer commercial. Vous n'avez pas respecté vos engagements. Voilà, donc vous m'avez planté, m'avez fait perdre 1 mois, donc le moindre des choses, c'est au moins de me dédommager. Même pas me dédommager mon temps perdu, mais au moins l'argent que vous m'avez pris pour un service que vous n'êtes pas capable d'assumer. Voilà. Sur ce, à la prochaine.